les grandes choses se préparent, a toujours dit un grand homme de Dieu congolais, à savoir l'apôtre Léopold Mutombo Kalomo. C'est à cet oint de Dieu, fils du patriarche Aïdini Abala Alexandre, père du réveil évangélique en République démocratique du Congo et un des baobabs de l'évangile en Afrique, il y recevra du Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à lui en 1976, l'appel au ministère avant d'être mis à part en 1980 pour l'œuvre du ministère. Soucieux de voir l'église de la RDC fonctionner comme un ministère dans lequel sont enseignées et pratiquées les diverses doctrines de l'évangile telles que la doctrine du baptême et du mariage. Il prêche et enseigne au début des années 80 dans la plupart des groupes de prière de Kinshasa où il mène régulièrement aux eaux de baptême ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aussi, des missions pastorales menèrent successivement en Belgique, en France, en Suisse et en Allemagne et le serviteur des dieux à travers les codes du ministère. Il faut que les églises africaines qui évoluent en Europe cessent de tourner autour du pot. Il faut que les écailles tombent des yeux et que nous ayons la vision correcte de ce que Dieu a de meilleur pour nous et qu'il a déjà enfoui dans le sol de notre foi. Entre-temps, le travail effectué pendant plus de 30 ans en RDC, travail qui se caractérise par la quête permanente d'une église vivante et puissante, nourrie par des serviteurs de Dieu, remplis d'esprit et de puissance, vivant les surnaturels des dieux, a traversé depuis 2018 des frontières de la RDC sous l'appellation de l'EMI, l'école du ministère international. Des participants venus de l'Amérique, de l'Europe et bien entendu de l'Afrique ont répondu dès les premiers jours à l'appel du patriarche. Il faut dire que c'est la première fois que nous allons prendre part à la grande école internationale. Déjà la particularité du thème, passer d'un ministère ordinaire à un ministère extraordinaire. Nous avons faim et soif de quelque chose de nouveau. La particularité du Gabon, c'est que nous nous attendons à l'accomplissement d'une promesse qui a été faite à notre nation par le Seigneur. As a young lad rise. En tant qu'un jeune serviteur de Dieu, nous avons besoin d'être impactés pour marcher sur les pas de notre Père. Steps of your fathers. Je suis le pasteur Florentin Obama. Et del ministerio Nueva Jerusalén. Je suis du ministère Nouvelle Jérusalem. Y estoy acompañada con mi esposa. Je suis accompagné de mon épouse. Et uno de los pastores del ministerio también. Et je suis accompagné d'un autre pasteur du ministère aussi. Y todos estamos aquí para ese evento que está para celebrarse. Ah, está bien. Nous sommes tous ici pour cet événement de l'école internationale du ministère. Tu ne peux pas croiser. You cannot meet. Un véritable oint rester la même personne. And remain the same person. Léopold Mutombo. L'apôtre Léopold Mutombo. That is called by God. Qui est appelé par Dieu. Has been given now an ark. Dieu lui vient de lui remettre une arche. The rod to do signs. Qui est une verge pour. To lead the whole of Congo people. Dieu veut de lui donner l'arche. Qui est aussi la verge pour opérer des miracles afin de conduire tout le Congo and the francophone et les pays francophones and the anglophone et aussi les pays anglophones to lead a revival pour diriger un réveil for the closing time pour ce temps de la fin of Christ's return avant le retour du Christ giving the francophone their own opportunity now pour donner aux francophones leur propre opportunité maintenant. So he is like Archbishop Idahosa in Nigeria. Alors il vient de recevoir un ministère semblable à celui de l'archevêque like Adeboye, Idahosa du Nigeria. Raising comme men, l'homme de Dieu Adeboye afin d'élever des hommes. Raising ministers. Afin d'élever des ministres. Ministries. Ministères. Churches. Des églises. And send them forth. Et les envoyer. So he is now a father of the land. Il est maintenant a sous le father of all. Il est le père de tous.